Ah, c'est quoi ce McGraves? J'ai voulu impressionner une meuf avec mon Kha'Zix, j'ai fait 33 kills mais elle m'a pas honor. Ok, c'est parti, let's go. Ok, on se concentre. Mais je les gap avec le level up. Ok, j'aurais pas dû E sur sa barrière. Genre là typiquement j'ai claqué beaucoup de mana pour ce trade. Mais le Doran Ring rend beaucoup quand même. Genre là si pendant une minute je fais rien, je vais quand même régen enfin la moitié de mon mana quoi. Un peu moins. Ça push vers moi, c'est ok. Par contre il a pas flash, ouais c'est ça le truc. J'aurais pas dû flash en vrai. En plus il a pas de TP, donc s'il meurt comme un dog en early derrière je peux l'abuse hein. Faut qu'il link le flash. Nice, c'est pas besoin. I freeze. Alors là, il a pas de TP. Donc, je vais juste back comme ça. On peut l'abuse. Hein. Je peux faire ça, par exemple. Et si je veux vraiment abuse, je vais vendre ma potion pour un voilà pour un mana un peu infini. Et là, normalement, le Graves a envie d'open. Là, on peut créer un gros gouffre de gold et d'XP. En fait, même s'il le tue pas, c'est fine, parce qu'il peut pas... Genre là, c'est très bien ce qu'a fait le Nocturne. Allez, j'en ai touché deux. Par contre, vu que j'ai pris l'aggro de ses creeps, ça casse un peu le freeze. Faut juste que je lui fasse perdre son canon au moins, quoi. Les gars, vous savez que j'ai entendu le Shaco mais que je l'ai pas vu en fait. Parce que j'étais en train de... J'étais dans la smoke. Après ça va, la wave push vers moi, c'est ok. Faudrait peut-être que je rush de l'armure. Je peux pas tout acheter sur le back là. Vas-y, je vais pas prendre d'armure là. C'est dommage parce que si là sur le 1v2 j'arrive à faire un play positif, le snowball derrière est conséquent. Bon, je suis toujours devant mais un peu moins. Mais la team a pu prendre le Drake. Ça fait du bien de rejouer Cassio, j'aime vraiment beaucoup le gameplay. C'est très dynamique, très, très skill shot, très APM. Il est. Le Graves est genre tellement lent. A mon avis, il doit jouer avec genre 50 MS, un truc comme ça. Son ADN est underclocké là. Putain, fais chier quoi, j'ai pas touché le stun. Mais je suis une merde, enfin, c'est pas possible. Sorry guys, un ting. C'est pas grave, la team got my back. Ah mais j'ai des runes d'amère aussi, c'est vrai que ça m'aide pas genre. En vrai j'ai troll, enfin, ma lane est toujours fine mais j'ai un peu troll la game là. Attends, le stuff de Shaco est insane, vous avez vu? C'est nouveau build, c'est lourd hein. Ok, je vais jouer safe. Là je vais juste prendre le push très fast. Putain, fallait pas que je rate ce E là. J'ai déjà dépensé beaucoup de mana. Il va peut-être venir ward, ça m'étonnerait. Il va pas prendre le risque. J'attends un peu de voir la décision du Graves. Parce que là, je peux par exemple rester un peu dans le bush et pré-shot un back. Bon, ça, c'est vraiment. C'est de la top lane avancée, mais. Sur les timings comme ça, si t'arrives à pré-shot un back et sortir au moment où t'estimes où il a back et qu'il a vraiment back, tu prends vraiment un gros lead sur ta wave dans certains cas. Mais là, il attendait juste sous tour, il respecte juste. Il voulait pas back. C'est vraiment ridicule. Je sais pas où est Shaco par contre. Hein. Le Fel est fané. Le Fel, je m'appelle Andreas. Je suis désolé les gars, mais je peux pas m'empêcher de faire ça en fait. Ça me met juste trop bien genre. Non mais vraiment, enfin c'est ça. Il restait un tic de poison qui m'a fait prendre l'aggro de la tour. J'avais bien attendu mais...
Tu es fané, Graise. Hé, hey, c'est fané. Hé, hey, t'as le skill pool party. Du coup, t'es allé à la plage et t'es allé dans l'eau de mer. Et l'eau de mer, elle est comment? Elle est salée, bro. Ah, c'est salé. Pool party, la mer, le sel. Dans la mer, il y a le sel. Tu l'as ou pas? Et le sel. Le R se tentait là. Ouais, lui, il a l'avantage du R, il allait vouloir me all-in. Et j'essayais de pré-shot son all-in avec mon R. Si ça passait, c'était drip. Le sel! Let's go. On va falloir qu'on back. J'aurais pas le temps de prendre cette dernière plate. Je devrais pas rester là, je peux donner un shutdown à Shaco. Je suis en train de troller là en vrai. C'est quoi le build de Shaco? Pourquoi il a un zèle? Allez, maintenant on est bien tanky. On a notre Luden, on a tout ce qu'il faut. Let's go. Cassio, ça... En vrai, ça hard counter Graves. Il est complètement salé là. Une game bien sympa. C'était une game animée en top lane. Ça présente la technologie Ingenious Luden. C'est pas mal. Est-ce qu'on essaye de forcer cette tourelle? Parce que c'est beaucoup de gold. Mais bon, faut vraiment pas que je donne mon shutdown quoi. Après, mon champion est bien pour bait les fights, les forcer à se commit sur moi. Oh, le blue, si je l'ai, ça met trop bien là. Et ben écoutez, ça met trop bien. Et même le Gromsoon. En fait, quand t'es devant au top, sous la tourelle adverse, et que tu peux commencer à farm la jungle, c'est aussi l'un des trucs qui fait que bah quand il y a un gros gap top, le mec peut hard snowball. Donc tous les champions de la top lane farment bien les camps quoi. Si t'as un bruiser, à part si tu joues, à part si t'as Malphite ou quoi, tu vois. Mais bon, si t'as Malphite, tu vas pas pouvoir giga top roll. Tu peux avoir de l'impact, mais un Smurf va pas jouer Malphite, tu vois, par exemple, évidemment. Ou même à le trèche. En mode mad life. Ils ont reculé instant alors que c'est pas sur eux, ça m'a mis bien. Mais là ouais, on snowball trop là. Je pense qu'il est, il est mort là, si juste je vais start ça. Ce blue buff décidément, il nous régale de fou là. Par contre je suis chaud pour le prendre frérot. Merci. Ah on a 3 Drake en plus. Et pourquoi le Shaco a fait un mortel reminder avec son truc là? Après le carquois c'est vraiment fort sur Shaco pour bien farmer les camps de jungle. Les gens ont tendance à oublier que bon le carquois c'est un composant mythique mais les dégâts on hit sur les sbires et les monstres c'est fort hein dessus. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus trop de mana, j'ai le bac du Herald. Cosmic Drive ça me rend un peu tanky. Alors là ce qu'il faut que je fasse c'est que je vende tout là pour une stopwatch. Ça peut vraiment faire clutch un fight et j'ai 1000 gold de shutdown sur la tête. Faut pas que je les donne. Est-ce que je TP là dessus? Pour me calquer avec la tempo de la team et voler les camps, ça aurait pu être pas mal, mais Anivia et Samira sont à la base. Anivia a pas de TP. Je vais hold ma TP, c'est mieux. Luden sur Cassio, ouais, c'est vraiment bien. Ah, là, je teste Luden Ingenious, le Luden qui revient à chaque fois ultra vite. Du coup, c'est un build qui a vraiment beaucoup de dégâts, beaucoup de mobilité. Build agressif, quoi. Agressif, IAPM, IBPM. Genre là je sais pas combien j'ai mis de Luden dans le fight, mais j'ai dû en mettre pas mal. Avec Cosmic et Luden j'ai une MS de fou. J'ai plus de mana les frérots, et ça va, on a bien contribué. Et j'ai tout le temps mes wards, hein, avec l'Ingenious. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être vraiment au max? Si on veut être smart, il faut que je fasse... Bah je vais faire la Kindle Gem tout simplement. De la haste et des HP. 93 de haste, mama. 50 tours de CD, regardez la vitesse des E. Et imaginez à quelle vitesse mon Luden va se recharger dans les fights. Ouais, j'ai pas pu regarder, mais je suppose que mon Luden a proc 3 fois. 2 ou 3 fois, mais je pense que c'est 3 fois. Hein. En fait, je sais pas aussi. En fait, c'est le Q qui recharge vite le Luden. Et le Luden a un CD plus faible. Mais la question, c'est. Est-ce que si je touche 2 cibles avec mon Q, ça recharge encore plus vite le Luden? Je crois pas. Hein. Il me semble que non.
Vous avez vu à quel point ça reprend vite juste avec le Q? Bah là, il est mort d'un proc Luden. Ça reproc sur le Q, et ça, c'est trop fort, genre. Et là, ça reproc, enfin, vous avez vu, c'est fort, hein. Ingenious Luden, c'est vraiment fort sur Cassio. Oh, même à la mastery sur ce compte. Je vous donne le Nocturne, il m'a mis giga bien en early. Et derrière, on a Snowball. J'espère que cette petite game vous a mis bien, les frérots. Bon, après, c'est pas du très haut elo. C'est le compte Chillax.